que le public. Okay. Hein, il y a moyen pour le faire. Ok. Maintenant, si vous me permettez. Okay. Allez-y. On y a une sous-question là. Vous voulez dire ce qui s'est passé. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé, deux petites précisions, M. Magister. Est-ce que le directeur général là, t'es dans la commission ça? Non, il est nommé en commission lui-même là. Ok, allez-y. Et c'est conforme à la loi aussi. Ok. D'accord. Maintenant, les gens entrés en dedans, à partir de ce qui s'est passé dehors, on a dit, c'était une situation qui est un petit crispé. Dans la salle de commission d'avocat voix noire. D'abord, le président de séance là a rappelé les dispositions de l'article 21 de la loi portant prévention contre la corruption. Il a parlé de machines qui ont boulé dehors, des gens qui ont manifesté, que le considérer comme une forme d'intimidation et que la loi prévoit, l'article 21, toute intimidation, toute menace qui est offerte sous l'ULCC est passible de 1 an à 3 ans de prison. À ce moment-là, nous précisons que nous-mêmes, nous condamnons la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elles viennent, et que nous pas bail l'ordre pour le monde bouler machine, nous pas faire incitation à la violence, et que remarque, président commission, nous fait acter ça, dans le procès-verbal là, par contre, ok. Donc, à partir de ça, yo, poser tout un certain nombre de questions pendant presque 6 heures même. À poser des questions autour de programmes, non, autour de situations, non, de comment faire entrer là-dedans, etc. Et nous démontrer que les commissions, que tout ça a fait là-haut, tout ça a parlé dans la radio, c'est une tempête dans un verre d'eau. Okay. Et que le programme Onamat, Onafama, pas aucun élément là-dedans, mais aucun, c'est réellement, qui a considéré comme un acte de corruption. Et que si il y a un monde qui considère le programme ça comme un acte de corruption, c'est deux catégories de monde qui ont fait considération ça. Première catégorie, c'est les non-initiés. C'est-à-dire que des monde qui est étranger toute question de corruption, à toute question de droit. Il n'y a pas comprendre de ça y a parlé. Il dans la lune, il n'y a pas connaître. Des zones non initiées. Deuxième catégorie de monde qui a parlé de questions, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la basoche des amis du droit. Les amis du droit, ça ou relé, de bas au Port-au-Prince, c'est avocat, chevronné ou relé, ou bien des avocats. Qui ne peuvent pas posséder la science du droit. Et qui va maîtriser la procédure, mais qui compte quelques vocabulaires, qui a fait une plainte, mais qui pas suivre un dossier de droit. Donc, moun sa yo, c'est pas des, yo get tindre avocat, mais c'est des sympathisants du droit, des amis du droit, yo poko, yo nan wout pour yo vin avocat. Yo get tindre là. Mais yo poko maîtriser science là, pour yo ta considérer véritablement comme avocat. Donc, si vous attendez des radios, et nous précisez ça pour nous, dans la mémoire que nous voyons, dans la déclaration que nous voyons, si c'est pour ça que vous attendez les non-initiés, les amis du droit, les sympathisants du droit, ou qu'à tenter faire tout type d'enquête, de alors que vous avez l'autre bon enquête qui vous fait, qui vous fait, et pour vous entrer dans le domaine qui va gagner pour l'ouer à corruption. Mon qui parle sous dossier ça, mon qui parle sous dossier you là, tu avocat parle sous dossier, c'est M. Newton, c'est juste, c'est un avocat très connu, tout le monde connaît. Bon, on ne peut pas plus un ami du droit, un avocat, oui, bon, c'est sourire les avocats, ou qu'il doit parler. Non, mais M. Magister, je parle de l'avocat, lycée ou avocat, lycée qui n'est pas au dépôt, après, c'est bien ça va avec vous. Ah, mais attendez, c'est ça, je vous dis, on ne va pas comprendre. Non, et ça, m'a compris, parce que vous dites, si moi, je suis l'avocat, parce que c'est pas moi qui est l'avocat. Qui te m'explique au lit, allez-y. Je vais vous dire, mais pas rédiger un plainte, mais pas qu'à suivre un dossier.
yo pa ka analyser. Donc là on parle de quelques vocabulaire du droit, yo mal comprendre yo. Le public l'attendait. Le gros public, quoi pour les avocats, oui, vrai. Mais ce sont nous-mêmes avocats. Que vous venez là-bas, on va nous aider des amis du droit, bon. Des sympathisants du droit. Conflit donc, entre Chabet de la base, je t'en parle pas de la Dani. Mais qui ça, Maître Matistin, qui ça, ULCC, reproché et client là, qui c'est le sénateur de la Torche? ULCC pas reproché en lien. ULCC considéré que bon programme qui fait, il utilise la jalona et bon bande, bon vacam qui fait autour de programme de ratio. Et tout le monde va dire même parole. Bon confusion qui crée autour de programme nan, à partir d'un ensemble d'interventions publiques qui fait tout ça. Donc, l'ULCC voulait enquêter pour clarifier la question ça, pour voir si effectivement il y a corruption et qui moun qui responsable à corruption yo dans programme dans pour le gouvernement les décisions qu'il prend. Donc c'est ça fait nous-mêmes nous éclairer la technique net. Nous éclairer, nous répondre à toutes questions yo. À un certain moment yo même dit nous, est-ce que vous capable de suspendre si nous fatigué? Est-ce que vous capable de suspendre audition pour vous pour l'autre jour nous dit que nous là pour quel que soit l'heure oublié et nous dit yo mettre continuer pas de problème nous prêt et puis nous répond toutes questions nous bail mémoire nous et nous expliquer pareil yo très très bien nous éclairer religion ULCC nous montrer ULCC pour des techniciens dans ULCC qui maîtrisaient les questions de la question de corruption parce que yo bon guide qui préparait pour techniciens ULCC yo pour yo capable n'est pas garder loi sur la corruption hein chaque article yo expliquer dans guide là yo garder pour essentiel pour pas interpréter loi comme des non initiés pour pas interpréter comme des amis du droit. OK, est-ce que ça veut dire après audition ça maintenant distinct tout est rentré dans l'ordre? Tout est évidemment tout est fini. Puis c'était gagné et il est fini et que non, pas ça. Sénateur, attends, tu es tranquille. Non, la tortue est toujours tranquille. Mais pas toujours tranquille. Deuxièmement, est-ce que qui opinion yo, c'est les soutiens rapport d'enquête yo, qui n'a pas passé par nous seulement, vous comprenez? OK. Y a tant de plusieurs monde. Yo, les au fin dans des procédures. Yo, tant de directeur on a tout. M'pa konn liste moun yo tande, non? Ah, OK. M'konn moun que yo tande que moi même m'accompagner. Mais ça c'est deuxième monde moi même que m'accompagner dans dossier. Qui d'autre nous accompagne encore? Par contre l'autre monde par contre rapport. Qui d'autre nous accompagne encore? Nous t'ai accompagné monsieur Claude Jean-Louis. Okay. Il c'est lui-même et n'est-ce pas? Et il y a un monde qui signe et l'accord de partenariat et de prêt avec l'ONA. OK. Maintenant, donc, c'est la tortue, c'est deuxième monde qui m'accompagne. OK. Rete kounya là pour si me comprendre bien, si me suivre bien soit expliquer là maintenant distinct rete kounya là pour ULCC sortir rapport d'enquête li. Et moi t'ai écrit yo pour madame Carmen Immaculée Cantal qui c'est client tout. Yo t'ai invité que pas ka vini, j'ai écrit yo pour me demander pour yo t'ai n'est-ce pas renvoyer audition ça. Donc, quand il y a ça m'a dit, c'est que yo supposé continuer tant de l'autre monde. Et là, au fin dans le monde, au fin si yo gagne une visite pour yo faire d'ailleurs, nous invite la commission hein, pour d'accord s'il voulait faire une visite. Maintenant, Distin. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le directeur général de l'ULCC a invité ancien sénateur parce que il y a un paquet de bagages qui a dit au tout dossier 78 millions de gouttes là. Oui. Est-ce qu'en tant qu'avocat ancien sénateur, vous avez dit clarifier pour l'auditeur panel magistrat? Ah, mais comment vous clarifier, lui? En allée. Tout est parti d'une confusion dont non maîtrise du droit des contrats, de ce qu'on appelle le droit des contrats. Matière que j'enseigne depuis des années. Et c'est ça que le sénateur a. C'est très à l'aise parce que son spécialiste qui a renvoyé là. Pas de confusion en sortie.
confusion est sortie parce que le programme Onamat, Onafama, il fait l'objet de plusieurs contrats. Alors, contrat, gagnez un contrat qui signe entre l'ONA, représenté par son directeur général, et M. Claude Christian Albert Claude Jean-Louis, et qui, de tel contrat, fait l'objet d'un prêt syndiqué entre plusieurs, trois entités. Qui c'est un. Pardon, on est Wabanon Boumbette là, ça, ça prêt syndiqué, ça veut dire. C'est-à-dire que son prêt qui concerne plusieurs mounes par rapport à une institution financière, mais chaque mounio a bien responsabilité personnelle de partie préparée. Ok, on a dit. Maintenant, le prêt, ce n'est pas un contrat de prêt, c'est un contrat de partenariat. Contrat de partenariat veut dire que, premièrement, le contrat, ce n'est pas un simple contrat de prêt. Au regard de la loi sur l'ONA, ce contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat de placement rentable. Premièrement. Et, dans le prêt, ça, dans le contrat de placement, ça, contrat de partenariat, ça, ça gagne, hein? L'extra-maquette qui est représentée par M. Christian Albert Claude Jean-Louis, Delimat qui était représenté par Mme Ouda Hage et le supermarché des Gonaïves qui est représenté par Mme Carmen Immaculée Cantar. Mais ce que les gens, et c'est parti du contrat ça, à un certain moment, Mme Carmen Immaculée Cantar quitté le contrat, ils ont remplacé par la ferme de Léogane des épouses de la tortue. Et là, non, l'initié, moi, je ne suis pas pour une question. Je dis, c'est tout le monde à fond, escroquerie. Ce que ces gens ignorent, c'est que ce contrat qui est signé par Albert Jean-Louis, le contrat tripartite établi l'accord syndiqué signé par Mme Kamel et Mathieu Lacantave, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats un avant-contrat. Ce n'est pas un contrat. Un avant-contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Un avant-contrat, c'est un contrat qui est assorti d'une clause suspensive. Au besoin de me laisser un niveau à bas pour vous, auditeurs, vous comprenez. Parce que dans pile confusion, vous n'avez pas répété dans la vie. C'est temps pour vous joindre moi, mon radio, ou moi, mon job. Si on contrat avec vous, nous bon job là. Bon job là. À condition que vous portez diplôme faculté des sciences, bon, moi. Les sciences humaines, bon, moi. Diplôme n'a que mando pour porter, même l'on signe un contrat. Le fait que contrat ça, pas qu'on capable effectif en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne. Tant que vous comportez diplôme dans la vie. Condition ça, vous mettez dans le contrat, ça veut dire que c'est un avant-contrat. Parce que le contrat, c'est ce qu'on appelle une source d'obligation. C'est-à-dire que c'est à partir du contrat que les obligations réciproques entre les parties, ils prennent naissance, ils naissent. Les affaires auréliennes, source d'obligation. Puisque mon clause suspensive dans le contrat, tant que clause suspensive n'a pas qu'on réalise, le contrat n'a pas existé. Pour les gens qui, tout étudiant, mieux comme ça. Donc la clause suspensive dans ce contrat, malheureusement, il y a des gens qui ont intervenu dans la radio, qui ont parlé, ils n'ont pas consacré les avant contrat. Nous confondons avant-contrat et contrat. Dans l'avant-contrat signé, la clause suspensive dit que faut une hypothèque que Mme Carmen Immaculée Cantave prend à l'étude du notaire séant en faveur de l'ONA. C'est là qu'elle prend hypothèque ça, que l'ONA a mis à sa disposition des fonds et comme a décaissé. Le ingénieur qui a fait construction maquette là, il garde Gonaïve, vingon problème électrique. Il était qu'on bail courant 18 heures par jour.
l'elle entreprendre pour parler. Yo vinn passer à 4 temps par jour. Là ça ingénieur a dit pour maintenant, n'a besoin de Delco parce que formatet là gain courant 24 heures sur 24. De Delco a pour maintenance à carburant a coûté des dépenses de $10,000 américains par mois. Là on calcule ça maquette là qui représente nos villes. Vous comprenez? Yo ouais, coût d'exploitation maquette là à 3 euros, il va pas faire bénéfice. OK. À ce moment-là, la dame renonce. À partir de la lettre de renonciation de la dame, le contrat, l'avant-contrat tombe. Donc, aucune obligation. Question mon gars dit font yo. Dame ça c'était la mère Matisse, c'est maman Yuri la tortue. Maman c'est la tortue Yuri la tortue. Dame respectable, dame maman qui veut qu'on fait commerce les fermes. Bon, ça me donne pas les bretons. Qui plus populaire les. Qui l'a dit encore? C'est un monde qui a 84 ans. Mon lot, contre après ça, le devait prendre. Pour combien années il t'a prendre? Ah, mais voilà, il t'aime tout dit ça. Mais ça, mon pas connaît, en tout. Mais ça paye, il n'y a pas connaît, non? La Bible dit, fait prêt à périr, faute de connaissance. Amen. Quand on a appris, en 1967, Robinson, par contre, tu as un temps pour m'expliquer quoi, yo. On va continuer, même si on dit contre le temps, nous avons 10 minutes pour nous passer ensemble. Ok, quittez-moi le mot, comment ignorance a crasé le pays d'Haïti. En 1967, sous le gouvernement Duvalier, il prend la loi organique de l'ONA, il crée l'ONA. Dans la loi, ça, il y a un article 205 qui détermine qui ça pour faire avec l'argent l'ONA. Il dit, il y a quatre bagages l'argent l'ONA doit faire. Premièrement, payer les employés. Il dit, il faut que montant ça à dépasser 10% du budget annuel de l'ONA. Deuxièmement, payer les pensionnés. Les gens qui ont contribué dans l'ONA ont des pensions. Payer. Troisièmement, faire des prêts aux assurés. Aux assurés de l'ONA. Quatrièmement, faire des placements rentables. En 1974, Jean-Claude Duvalier prend un décret. Il définit les conditions pour faire des prêts aux employés. Il dit. Aux assurés. Il dit si assuré sur une monde qui travaille dans l'ONA, donc assuré interne, mes conditions. Faut qu'il pas dépasser 60 ans. Faut qu'il ait 5 ans de travail dans l'ONA. Faut qu'il ait 30% du projet facile au faire. Et dit prêt à faire pour faire pour des maisons d'habitation. Son projet d'âme social qui permet d'assurer une boutique à une. Et d'ici, c'est des assurés externes, des gens qui ne travaillent dans l'ONA, qui viennent assurer tête, etc. Ils ont un droit, ils ont accès après ça, mais à des conditions différentes. Par exemple, les gens qui assurent, ils ont un droit de prêter le cobla à 100%, ils n'ont pas besoin de 30%, assurer internement, assurer externement, ils ont 30%. Donc, ils ont établi des conditions. Donc on veut dire nous pour assurer pour externe position l'âge là il pas kembe. Ah non mais qui vient vous expliquer pour comprendre. Vous venez expliquer pour comprendre. Qu'on y a Duvalier en 74 fixé montant quoi vous a prêté monde là à 25,000 gourdes. Et ça goud là t'es faux. En 76 ouais la vie commence cher. Duvalier prend l'autre décret. Il réglementait pour même prêt aux assurés hein? Et fois ça le passer comme la 50 000. Maintenant, il y a même critère, il y a doublé comme là. Mais quatrième, les placements rentables, par exemple, un décret ni un règlement qui vient fixer les critères pour y bail comme ça, pour y prêter comme ça. Moi. Par exemple, ça. Mais dans la même loi organique, là, l'article 207, il dit que c'est deux conditions seulement pour réunir pour faire placement rentable. Conditions de sécurité et de rendement. Ça veut dire sécurité. Il faut que le projet que vous présentez est susceptible
de montrer, garantir que l'argent qu'on investit, l'argent qu'on n'a pas perdu. C'est-à-dire que si mon nom vient là pour market, même si les conditions là il va tomber pour tout casser, même si mon nom pour programme, mais si mon nom non société, il prétend pour les faux placements, mais même si mon nom mourit, société à là, comme là. Ok, mettre ma distance. Non, parce que beaucoup de temps, il faut casser plus qu'on sait pour nous. Non, souligner que madame et quand avec qui c'est maman sénateur a gagné 84 ans, demande pour combien de temps il était fait prêt ou pas te coordino. Pour combien de temps il était fait prêt? Dans l'avant contrat, le prêt, pardon, mon l'autre bagaille. Dans prêt aux assurés. Sous son assuré interne, il y a bon prêt là pour 30 ans. Sous son assuré externe, il y a bon pour 25 ans. Non. Placement, yo, valeur yo bol prêt à vous 10 ans. C'est-à-dire, le prêt était initialement prévu pour 10 ans. Pour 10 ans. Ok. Bon, et M. Badiste, nous parler libérer où. Mais pour qu'on y a là, est-ce que sénateur de la Tortue a d'autres rendez-vous encore dans l'ULCC? Bon, non. La conclusion, c'est que la commission dit l'attente de l'autre monde, l'a recueilli d'autres informations. Li pour qu'on ait, s'il a besoin de nous encore, s'il a besoin de nous, la brûler nous. Okay. Mais nous tous inviter la commission hein, à le visiter ferme pour nous voir les conditions prévues pour les placements rentables des fonds de l'ONA sont réunies. Tout à fait. Plus est-ce, que réunies. Est-ce que pendant l'audition, M. Matisse, est-ce que pendant l'audition, tu as point ça, tu es abordé, il y a un possible trafic d'influence de la part du sénateur La Tortue pour que le TGM prenne ça. Non, mais pas ça, mon cher, pas pour ça. Parce que le sénateur, il était... Non, mais pas ça, initié, non initié, ou bien pareil, ou soit un journaliste expérimenté. C'est-à-dire que, tant d'où, loin de la réunion. Donc ça va t'évoquer pendant l'audition. Qui te m'explique, oh? Loi sur corruption, sur la pénalité, chaque terme dit là, il y a des conditions, critères caractérisés. Vous comprenez? Il y a des critères caractérisés. Vous allez être prêt à partir d'une société en nom collectif. L'avoir des actionnaires seulement représentait 60 millions de gourdes au moment du prêt, le prêt de 70 millions. Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est les conditions économiques de la ferme qui a favorisé le placement. C'est pour le début de l'Afrique de Fluence. C'est le même bagaille. Il y a un bagaille qui vaut, par exemple, 30 000 dollars et puis nous venons près 100 000 dollars. Vous comprenez? Non, il n'y a pas ça. La démonstration qui est faite à l'ULCC, c'est pas laisser place. Pour aucune mésinterprétation de la loi sur la corruption. Ça n'existe pas. Ok. On dernière petite précision. Est-ce que, dans le moment où on a parlé là, et puisque il y a plus de monde qui voulait souligner ça pour vous, et prêt, sénateur La Tortue gagné, dans on a simplement gagné pour vous avec firme agricole Ligue 1, et que prêt pour maquette là, il parle encore. Ok. Voilà. Ah, moi, je vais parler encore. Voilà, journaliste qui est bon sens. Le prêt initial, pas oublier que Mme Cantabre se dit, c'est un avant-contrat qu'il avait signé techniquement. Quand Mme Cantabre a désisté, l'agent qui t'a déposé, c'est un notaire, l'autre partenaire réunit conditions suspensives par eux, comme ils ont en main, commencé à travailler. Il se pose un problème sur le prêt syndiqué. Bon, comme qui débloqué pour tel programme, plus fort comme la 700 millions nan, qui tant à travailler, à dépenser, des 70 millions qui est bloqué car on notait. À ce moment-là, il cherchait un autre partenaire. Comme il n'a pas joint un partenaire qui répond à critères pour le projet, c'est-à-dire monde qui voulait construire l'autre maquette ou bien renforcer son maquette. Le contrat est modifié le 16 janvier 2018 par des directives du directeur général de l'ONA adressées au notaire Jean-Henri Séan
pour dire que dans ce contrat initial, la ferme Youri La Tortue remplace le supermarché des Gonaïves et, évidemment, dans les mêmes conditions, évidemment, toutes conditions dans prêt qui pas concerné en maquette. Donc, le contrat est modifié. C'est comme tout est fait un avenant au contrat. Avenant, pour mon capteur de comprendre, c'est comme un contrat à voilà, mais fait un contrat subsidiaire après, côté modifier contrat, me changer certains bagages, me changer certaines clauses, ça s'appelle un avenant. Le okay. premier contrat existe, l'avenant complète le premier contrat. Donc, il y a eu donc, cette modification le 7 janvier 2018. Donc, modification ça fait que, maman sénateur n'a pas impliqué du tout Kounia là dans le contrat. Pas là, même. Et, c'est le sénateur Kounyala qui vient prendre avec Avenir, ça je vais expliquer là. Mais est-ce que vous pensez... C'est pas que... même sénateur, c'est la ferme de Neogam oui. qui est une société en nom collectif. Ok. Est-ce que vous pensez, sénateur Madi, c'est la dernière question à poser pour Nibéo, est-ce que vous pensez que tout échange, mon modification, ça va être capable de faire pour un citoyen lambda, si un citoyen ça va être le sénateur Youri La Tortue? Bon, ça c'est l'honneur ça qu'on a. Même qu'à dire où, conditions de sécurité à faire, ça va faire pour n'importe quel citoyen. Parce que l'argent l'ODA, première condition pour mettre à la disposition au monde, c'est la sécurité. Un citoyen, par exemple, qui n'a pas de capacité pour restituer son fonds, si on met à disposition, c'est que l'ONA ne respecte pas la loi. Non, mais Madistin, et ce n'est pas seulement pour condition de sécurité, parce qu'en fait, on a mat, donc c'est-à-dire les concernés et supermarché, market. Non, C'est le contrat qui a été modifié pour un programme. Non, est-ce qu'on va ça modifier? Non, je comprends, sénateur. Vous avez dit ça. C'est quoi ça que vous comprenez, vous avez parlé de foufou de radio? Regardez, une fois que le contrat est modifié, le nouveau partenaire est concerné par la modification point barre. Est-ce que tu comprends? La modification n'est pas nous-mêmes qui fait l'eau, c'est l'ONA. Ok. L'ONA fait lui. Ok. Maintenant, c'est merci en pile, mais l'ONA n'a pas dénoncé un et lui-même, pas vrai? Bon, attendez, si je suis directeur de l'ONA demain, 80% font l'ONA, il y a un type de projet ça, oui, je fais. L'ONA est le meilleur contrat à le faire, contrat type de placement rentable ça. On est autant de côté de l'argent, l'ONA dépense, regardez, gaspillé, attendez, ou pas mon minute? Oui, 30 secondes, on a des rapides. Oh, d'accord. Mais quand de l'argent, l'ONA gaspillé, attendez, pas faire faux combat. Pas faire faux bataille. C'est là on a vu nos propres dans l'ONA. L'utiliser influence. La vache ton machine, par exemple, qui vaut 50 000 dollars, il fait l'ONA prêter le 100 000 dollars. Même si l'ONA saisit machine demain, l'ONA font déficit pour 50 000 dollars. Les l'ONA font contrat. Garantie au bas du pour le cobli dépensé, vaut plus que cobli baille là. Là, c'est ça que les sécurités a eu. Ça veut dire si on va payer elle, il a saisi bien ça, la bonne yo. Yo bay l'ONA qui prête moun yo 70 millions de gouttes. Le on fait somme totale, ça yo bay en garantie. 70 millions à l'époque, c'est vaut environ 10 millions de dollars. Mais garantie yo vaut plus que 15 millions de dollars. C'est-à-dire que sécurité assurée. Si bay on moun comme ça, demain pa ka paye, m'pa ganyen, m'pa saisi, m'pa ganyen, m'pa vann, m'pa pran précaution qu'il fallait. Pour me protéger, les avoir, les assurer, il n'y a pas qu'à bailler n'importe quoi. C'est-à-dire, là, on fait un petit programme à gauche, petit programme à droite, pour bailler comme ça, pour dépenser 100 millions de gouttes, on rentre 40. C'est le type de contrat, ça, qui gaspille la jalona. Ok. Maintenant, Distin, merci en pile pour disponibilité. Eh bien, merci en pile, merci. Ok. Voilà, M. Samuel Bandistin, un avocat, sénateur La Tortue, qui t'a expliqué nous. Et ça va passer avec l'ONA. Et bien, pendant 6 heures, vous êtes en sénateur La Tortue. Pas de rendez-vous encore qui programmé. C'est ça, sénateur Madistin souligné, entre autres, dans l'explication étape là. On peut se poser là, nous déjà. Mais fait notre justement, et ULCC, tu es sorti en note, et côté les condamnés, et incident qui arrivait devant local institution, côté gain deux machines qui boulaient. Direction générale unité lutte contre corruption condamné avec toute force li incendie deux machines qui c'est propriété institution hein, par un groupe manifestant qui réclamait aux deux oppositions politiques dans moment audition
ancien sénateur Youri Latortue, 13 août 2020, il déplorait tout menace grave et propos injurieux qui lancé contre emploi Elio. Direction générale Lali fâché et contre comportement antisocial et liquide que mes faits ça yo ben c'est œuvre des citoyens qui partagent valeurs qui pas partager valeurs en société démocratique et état de droit ben li bay population assurance la continuer et fait travailler sans contrainte et qui donc fait enquête conformément à la loi et puis exercer avec rigueur et détermination rôle li comme police administration publique pendant la fait et la ben passer sous côté toute tentative intimidation et li invité parquet Port-au-Prince mettre action publique en mouvement contre auteur, co-auteur et complice Zach Sayo, eh ben ULCC lui dit eh ben l'irrité inébranlable dans mission. OK. Nous va proposer là on a tourné avec plusieurs autres invités mais point ça tourne venir.